Salut Internet et bienvenue à ce 10e épisode de Final Fantasy VI, joué par vos autres merveilleux Max et Steph. Qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode, Max? Steph, dans le dernier épisode, on a un petit problème de caméra. Oui, sorry! Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a complété le side story. Side story en français, tu me traduirais ça comment? Histoire d'à côté? Sure! Parce que sinon, je pense juste comme histoire alternative. Puis mais c'est pas comme, alternatif. C'est pas... Non, c'est une... Sous-histoire. Sous-histoire. C'est mon show, j'invente des mots. Histoire additionnelle, histoire... Side story, bâtard. De Terra, Edgar et Bannon qui ont complété leur petit trip dans les rapides. Oui, ils sont arrivés à Narch. Oui. Puis on a aussi traversé la mine de Narch pour revenir à la dite maison du début. Revenir au point de départ. C'est ça. Oui. Avec beaucoup de personnages en plus. Oui. Puis on a commencé le side story de Sabin. Oui. On a rencontré Shadow. Oui. I'm Shadow. Puis c'est ça. Ouais. Là, on s'en va au Doma Castle. Doma Castle. Parce que ça a l'air que c'est par là qu'on peut retourner à Narch. Let's go. Allons-y. Là, on va rentrer dans ce petit désert qui est assez bizarre, là. Allons-y. Vers un désert en forme de losange. Non, non. Pas un losange. Ben non, pas tout à fait. Non. 2, 4, 6 côtés des hexagones. En tout cas, on y va. Ah, oui. Le camp impérial, toi. Oh. Oh mon Dieu. C'est, il me semble que ça me frappe pas comme la meilleure. C'est une bombe impériale? Beaucoup trop de soldats? C'est pas chaud pareil, man? Ah non, c'est pas la meilleure. Hey, as-tu entendu? Oh, tu veux dire... Chut, tais-toi! Si quelqu'un nous attrape, nous sommes perdus! C'est vrai. Il explique le général Léo hors du bataillon. Il sera probablement prochain général. Ne me fais pas rire. Si quelqu'un comme nous devient général, moi, je rentre chez moi. Chut! T'entends, tu vas t'emprisonner! D'accord. Si on vient ici, retourner dans la. Uh-oh. Ça fait pas de sens de moi qui dis ça. Uh-oh, il vient ici parce que Kafka vient d'arriver. Uh-oh! Ouais. Et il vient ici, retourner à la zone d'attente. Hé, hey, vous! Montez-vous la garde? Oui, monseigneur! Vous êtes Kafka, juste? Comment allez-vous, monseigneur? S'il vous plaît, épargnez votre salive. Faites seulement votre travail. Quelqu'un devrait renvoyer cet homme. J'aimerais lui dire. J'aimerais lui dire qu'il n'est pas le général Léo. Chut! J'ai toujours dit de parler moins fort! Sans espoir! Je hais cette personne, Kafka. J'ai jamais pensé qu'il était humain, pas comme le général Léo. Je suis d'accord avec toi. Vous deux! Nous allons lancer l'assaut sur le château d'Oma! Vous allez rejoindre l'équipe! Excuse. L'assaut! Ben, okay. Ok. Oh, que oui. Attaquez! Ils font juste vraiment se picher sur le château. Oui. C'est sans espoir, nous devons les garder dehors. Ah, donc c'est finalement arrivé. Qui fait sien? Moi, je voudrais plus faire magenta. J'ai aucune idée comment je ferais une voix de sien. Je m'exécute. Un moment, monseigneur! Sure. Il y a un petit côté italien ici, hein? That works! Petit côté italien. Laissez-moi l'honneur! Ça marche, j'aime ça. Loyal serviteur de son roi avec le courage et la force d'une centaine d'hommes. Mais peut-il battre 50 magitech en 3 minutes? Je ne crois pas. Il est capable d'imprimer 75 pages à la minute, par exemple. Oh ouais! Si nous pouvons
vont battre le commandant, il l'abandonnera sûrement. C'est fait comme un petit accent italien. Oui. Faisons un effet. Spaghetti! Ça, c'est dans Mario. C'est dans Mario 64. Seigneur Sion, laissons leur commandant l'avoir. Bon. OK. Là, je pourrais tout faire les autres, mais juste faire comme 50 pièces. Ouais. Fait que de la merde. Ouais. Je suis Sion, serviteur du roi de Doma. Et ton pire cauchemar. Oui. Zorro style. Lasagna. Moi, je fais des sword tech. Mais juste le premier. Ouais. Avec un dispatch. Ça fait shaker l'ennemi pis tout. Ça marche. Comment ça marche déjà, lui, ses sword tech? Faut que t'attendes genre 1000 ans si tu veux les lodos complets. Dans le fond, ça s'augmente en temps réel. Là. Ok. Mais quand t'attends pour loader sur Sword Tech, tu peux pas faire interagir tes autres bonhommes. Oh, Black Belt! Ça, c'est nice. C'est quand même cool. Ça, c'est cool. Mais on n'a pas. Ah, ben on a. Le soldat général a été vaincu! Courons! Puis en plus, ouais. On a un ninja. C'est vrai. Absolo! Oui, avec un Black Belt. Fermez les portes! Nous pouvons attendre nos ennemis dehors! Ça a commencé à sonner Sabin un peu, ça. Oui, hein? Ouais. Je m'excuse. Parce que je reviens à Sabin maintenant! Qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est Shadow qui est le leader maintenant? Eh oui. On parlera pas aux chiens, même si Shadow c'est l'ami des chiens. Ouais. Bien, ah! Il ouvrira pas, mais moi je vais donner un coup. Puis le chien va venir. Non! Sentinelle! Oh non! Mais c'est pas grave. Le petou! On a plein de beaux petous. C'est des beaux. Et là, je vais pouvoir tester ma technique infaillible pour faire des blitz. Ça a marché, Fire! Ça a marché! Écoute, ça a l'air niaiseux, pis que, mais que ça marche, c'est pas niaiseux. Ben non. Faut que tu comprennes à la maison, c'est que la manette de PlayStation 4, les croix directionnelles sont un petit peu concaves dans le milieu. Mm-hmm. Fait qu'on peut pas faire le move du pouce là pour faire la demi-lune. Fait qu'il faut y aller à deux doigts. Mm. C'est la seule façon. Mais on a reçu un Star Pendant, ça valait la peine. Pis c'est ça. Pis là, moi je veux rentrer là. Lui il a l'air de se foutre pas mal que je suis en arrière de lui. Ouais, hein. Ah, ben y'avait rien, maudit. Général Léo, les habitants du château d'Oma semblent jouer un jeu de patience. Ainsi, c'est leur stratégie. Léo a de l'air très posé, ouais. Un peu comme le peuple des Édith Piaf. Oui, peut-être. Général, nous sommes prêts à prendre d'assaut le château. Donnez-nous simplement l'ordre. Patience. Patience. Si nous attaquons maintenant, nous allons sacrifier de nombreuses vies. Ce gars-là travaille pour Kafka? Non, il travaille pour l'empereur Jugald. Ah. Il s'appelle pas Gestalt? Aussi. Ok. J'ai toujours dit Jugald dans ma vie. Jugald. Comme c'est ça. Ouais. Mais, général, je suis prête à donner ma vie pour l'Empire. Tu es de Maranda, exact. Oui, mon général. Pourquoi? Et ta famille vit encore. Si tu meurs dans la bataille, je devrais annoncer de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que je dirais à ta famille? Tu dois vivre et retourner un jour chez toi. Ne laisse pas tout tomber pour rien. L'empereur... Gestal? Ne voudrait pas ça. Ok. Gestal. Ah, moi j'ai toujours dit Gestal. Gestal? Ouais. Ça me va. Oui, mon général. Général Léo! Un pigeon voyageur vient de l'empereur Gestal. Oui. Hein? Quoi? L'empereur me convoque. Je dois rentrer immédiatement. Je comprends, mon général. D'accord. Je dois laisser le sort du château de Doma entre vos mains. Oui, mon général. Bien. Ne faites pas tirer les canons. S'il vous plaît. Il me semble que tu es un général. Tu devrais pas avoir besoin de dire s'il vous plaît. C'est vrai.
Mon général, laissez-nous faire, mon général. D'accord. Ça sent la fausse lettre. Ainsi, c'est général Léo. C'est-tu toi ou c'est Shadow ou c'est Sabin qui parle? Ben, présentement, je vois Shadow. Ok, d'accord. Ainsi, c'est général Léo. Il pourrait être mon ami s'il n'était pas ennemi. Wow. C'est beau. Oui. C'est War is hell. Maintenant que Léo est parti, je vais remplir cette rivière de poison. Il est pas parti, il est dans la tente. Ouais, mais Kafka s'en contre. Ah, il est là. L'empereur m'a ordonné de rentrer. Je ne veux aucun ennui ici. Tu n'es qu'un perdant. Je vais prendre en main la situation dès maintenant. Ne sois pas fou. Et n'oublie pas que ce sont des gens comme toi et moi. Oui, c'est exactement la manière de parler à Kafka. Nous avons besoin de sacrifier ces terres pour anéantir la résistance. Lui s'en va là-dessus sans rien dire. Pars d'ici, sois un bon garçon. Est-ce que le poison est prêt? Mais le général Léo a dit gars! Il n'est plus là maintenant! Je me charge de tout! Versez-le! C'est certain que nos soldats sont emprisonnés à un château si nous mettons le poison dans la rivière! Faites-le! Faites-les tous sortir! Et puis quel poison ça contamine l'air? C'est une humeur! Hein? Silence! Ton histoire est bu! C'est toujours le fun de faire des blitz d'en face à Kafka. C'est pas un pommeau d'en face à Kafka. Ouch! Ça va être pas très bien. Kafka! Attends! Attends, il dit. Et puis quoi encore? Genre. C'était rapide. Fait qu'on va gosser de même pendant genre 10 minutes. Moi, je vais aller dans le temps. Je suis sûr qu'il y a un petit coffre. C'est de l'équipement, c'est pas une relique? Ah, ça doit être une relique, ben oui. Ben oui. Invoque safe quand les PV sont bas. Mais c'est pas le cas, pas avec ce team-là. Non. Oh, notre coffre! Oh my god! Un monstre. Un monstre. Shit, un gros monstre, pareil. Quand même. Oh mon dieu, tout le monde est blanc. Tout le monde est maintenant hashtag Dog Life. Oui, c'est vrai. Mega Zerk. What the hell? Ok. Ok. Ah, mais c'est pas ça que je voulais, le. Oh mon dieu, ça fait mal! Yikes! Crime, mais tu t'as fait ça, là? Puis quand elle monte dans le coffre, genre, c'est tough de même. Ouais, hein, il est capable d'en prendre une volée. Alarm ringing. Ah non! Ça veut dire quoi ça, il va. Ah! Ok. Ah, ben au moins. Au moins, il ne rappellera pas d'autres renforts. Ah, puis au moins. Il y a one shot. Ok. Marvelous. Ça donne quoi ça, par exemple? Pas juste un tonic. Un green beret! Hein, quand même! Un beret vert. Moi, j'ai pas ça. Ok, y a-t-il quelqu'un qui peut mettre ça? Ah, ben, Sabin, il peut pas me le mettre ça. Sabin. Pourquoi je dis Sabin? Sabine. Parce que moi je dis Sabin. Je sais. Quel lèche-botte! Botte avec un T. Oui. Pour C'est une nouvelle façon d'écrire la langue française. En fait, c'est dans la nouvelle orthographe, je pense. Ah, oui, ok, d'accord.
Mais il était d'avance en 94 déjà sur la nouvelle orthographe. Je vois, d'accord. Ouch! Quelqu'un! Attends! Attends, il dit. Et puis quoi encore? Le fun dit la même affaire qu'à tantôt. Ouais, c'est cool. Mais je mets autant d'intensité. Oui, ben tu fais bien. Parce que Kefka le mérite. Tu fais bien. Hein? Combien de temps vas-tu attendre pour arrêter? La prochaine fois, tu es un homme mort. Ok. As-tu encore des... Pas mal pas. Hein? Pas mal pas. Pas mal pas. Pas mal pas. Là, il va demander à son petit soldat de prendre la place pour se guérir. Mmh. J'ai-tu des... C'est le collier. Des colliers, moi. Oh mince! Hé! Hey, si tu sais ce qui est bien pour toi... Ok. C'est un genre de prêtre qui veulent rien dire. Ah, je l'ai manqué! Oh non! Badge! Ça va faire mal plus longtemps. Ah, ben le petit chien va... Papa! Comment il s'appelle le chien de Shadow? Le chien. Ok. Je me demandais s'il y avait un nom. Je pense pas. Ou peut-être. Si tu le sais à la maison, écris-le dans les commentaires. Ouais. Hein? Qu'est-ce que t'attends? Hum? Impatient? T'es bizarre? Ouais, mais on reçoit pas d'XP. Non, ça c'est poche. C'est con. Rien ne peut battre la musique de centaines de voix criant ensemble. Ah ben, l'eau devient magenta. T'appognes-tu? Cyan, magenta, jaune, désert. Parlant de cyan. Ah, il est là. Seigneur Cyan! Ah oui, une voix italienne. Hein? Ouais. La base de l'Empire sans faire! Ça fait. Quelque chose doit se passer! Quand Sian va parler, je vais toujours commencer avec un ma. Hein? L'eau semble bizarre. Ma. 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 Puis là, le monde va mourir parce qu'ils en ont bu. Ça a l'air. Ouais, c'est ce bout-là, j'ai toujours trouvé un peu bizarre. C'est comme, à moins que l'eau dégage des fumes toxiques, là. Puis à ce moment-là, il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que Sian... C'est ça. Sian puis le gardien... Seigneur Sian! Bah, c'est du poison! Quelle vérité! Indigne! Ok. Gardez le château! Pendant que je vais voir ma femme et mon enfant. C'est jamais une bonne affaire quand un personnage a une femme et des enfants dans ce genre de jeu. Jamais. Chez le roi, tout de suite! Ah, le roi d'abord. D'accord, la chambre du roi n'est pas loin. Allez, go! Oh non! Votre Altesse! Soyez forte! Soyez fort! Qui est là? C'est moi, Sian! Excellence! Ma vue se trouble. Je ne vois plus rien. Excellence! Tenez bon! Sian! Tu as défendu le royaume depuis que mon père est mort. Merci. Tout est fini. Notre royaume est perdu. Et vous, comment sont capables de parler longtemps en agonisant, hein? Pas encore, Altesse! Je crains pour ta famille. Ma poitrine est en feu. Gardez vos forces. Ne parlez pas. Pas voir ta famille. Altesse! Seigneur Sian! C'est moi. Non! Il doit y avoir des survivants dans le château! Séparons-nous! Ah, il est trop tard. Elaine!
Réveille-toi! Ça ne peut pas arriver. Mais faut croire que oui. Ouais. Son nom m'a toujours fait rire. Oh ouais. Ouais. Non. Pas toi. Mon fils. Vous ne pouvez pas me laisser tomber toutes les deux. Moi, je veux le coffre qui est juste là. Mmh. C'est gosse, là. Mon Dieu. Impossible. Non. C'est un beau nom. Pas pire, hein? Quand même. Nous ne pouvons leur pardonner ça. L'Empire doit payer. Le coffre! Le coffre? Il y a de quoi? Le coffre? Mon Dieu. Le guerrier dit ça, mais c'est moi. Ouais, mais je pense que c'est toi pareil. Je suis Sia! Mais là, je pense que t'es pas rendu roi, Sia. Serviteur du roi de Doma. Venez, préparez-vous! Cling, cling. Cling, cling. Cling, 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 cling. Cling. Puis-je vous prêter main forte? Merci. Qui que vous soyez. Soyez prêts à un zèle. Oui. Ça a marché. Ouh, c'est beau. Très beau. Yeah. Bam! Toujours pas d'XP? Toujours pas. Ça, on est trop haut. Hello. Laissez-moi faire. Je t'annexe pas, moi. Ben oui, avec ton violence. Je me fais des pipes depuis une couple d'années, là. Quand même. Quel désordre. Faites attention, sire. Sire. Comme un exploit à chaque fois. Oui, à chaque fois. Bam! Boom! Dans ta gueule, Fire Dance. Qui a versé ce poison? Ben, je pense qu'il est parti. Ouais. Nous devons combattre ensemble. Ça va aller mieux? Ouais. C'est ce que je pensais, Doucy. Faut battre un cadet. Oh. Battre le cadet. Je pense que je l'ai pas eu. Ouais, je pense que c'était... J'ai aidé trop vite. Ah, ouais. Ah non! Ça a marché! Ben pas ouais. Yeah! Parfait ça. Full pièce d'or. Moi je veux de l'expérience. Merci Sia! Laissez-moi vous remercier. Je suis Sabine de Figaro. Maintenant, fichons le camp. Ok, oui. Mais pour ma maison, ma famille, mes amis, écoutez, si nous restons plus longtemps ici, nous aurons un régiment de soldats dans nos trousses. La trousse, ça prend deux heures. Mais semble que ça va être un peu. Mais moi, l'orthographe, je m'étais bien bon là-dedans. Attrapez-les, par ici. J'ai une grande idée. Grande idée! Venez d'ici! Hein? C'est? Sir Sabine, qu'est-ce qui peut bien... Qu'est-ce que cela peut bien être? C'est trop pareil, si un petit Sabine, je donne ça. Ouais. Je vous expliquerai plus tard! Calme! Montez dedans! Ah ouais, monte dedans, On vole des Magitech. Oui. Monsieur Sabine, comment ces abominations peuvent-elles être manipulées? Je vais devenir malade avec ça, nom d'un chien. Je vais commencer par parler comme toi. Ah ben. Maintenant, écoute. Utilise simplement les leviers situés près de tes mains. Sir Sabine! Je suis pas grave, fais-le, s'il te plaît. Sir Sabine, j'ai une dette envers vous. Ah, c'est bon, ça. Oubliez-le, maintenant, allons-y. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, nous ne pouvons plus nous arrêter maintenant. Je pense que c'est ça qu'il a dit, j'ai commenté. Donc,
Forçons le passage. Shadow est parti? Ben non, il est là. Il est là, il a juste. Il était chercher un autre mèche-tech. Ok. On va équiper M. Sian. Ben oui. On va lui donner des reliques. Combien de temps l'épisode ici? Ah ben gars, on sort de là. On sort de là puis on fait. Nous en reste-tu encore un peu? Un Black Belt. Black Belt? Un Black Belt. Puis un Star Pendant. Toujours pratique un Star Pendant. Un Star Pendant. Toujours bien pratique. C'est la fin du chemin! C'est la fin pour toi, mon ami. Oh, on attaque de derrière. Ok mon dieu. Ok mon dieu. Bolt Beam, ça va faire mal de magie, de lightning sur des machines, tout ça. Oh shit! Shit! C'était. Mais toujours pas d'expérience. On peut plus fuir! Bolt Beam. Beam. Fire Beam. Puis Ice Beam, on va tous les avoir vus. Ouais. Pas demander plus. Non. Bolt Beam est assez splendide, je trouve, oui, avec le petit effet. C'est fantastique. C'est beau. Proloscopic. Ah, mais même le Fire, il est cool. Quoi que le Fire, on le voit depuis le début de la jeu. C'est vrai. J'avais jamais fait de Ice, j'ai hâte de voir. Ça va être la même affaire, mais. Ça ressemble au Red, mais pas trop. En plus, ben. Pardon, excuse-moi. Ça ressemble au rouge, mais en plus bleu, je trouve. Oui. Qui a parlé de fuir? Hein? Qui, ça? Qui? Bob Épine. Sûrement Bob Épine qui en a parlé. Sérieusement, tu viens de plugger ça, là? Parce que elle s'est saoulée à Térébenthine. Puis à Coureuil, là, Sainte-Catherine. Qui a parlé de fuir? Bob Épine. Ah, pourquoi je me tiens avec toi? Parce qu'on a une super bonne émission sur les replays de jeux vidéo. Je ne peux pas croire que vous étiez ce que nous étiez si loin. Ah! Il y a rien qui marche dans cette phrase-là. Ah, God! Puis je sais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il veut dire je peux pas croire qu'on s'en est sorti, peut-être? Dis! Comment la marche est ici? Marche? Il n'y a qu'un seul chemin à travers la forêt au sud. Ok. Bien, c'est décidé. Nous y allons. Au revoir, les amis. C'est go. C'est maintenant l'heure de sauvegarder. Sauvegardons. Comme ça, parce qu'on est maintenant trois personnages. Oui! On est personnage plus! Oh my god! Merveilleux! Oui! Qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode? Ben, je sais pas. On se revoit là. Écoute-les, tu dois le savoir. Eh oui. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et sur ce, on se voit dans un prochain épisode. À la pause.